Salut à tous, merci de retrouver nous sur Top TV pour Top Chef avec Ryan, avec notre partenaire Formelaine. Et aujourd'hui, nous avons une recette traditionnelle. Lalita fin accueille nous Kotli parce qu'il peut présenter nous un kouchaman traditionnel. Lalita, merci beaucoup d'accueillir nous Kotou. Je suis bien content Ryan, je suis plutôt retourné au Top TV. Pour présenter nous sa recette. Sa recette kouchaman là. Super. Une recette bien traditionnelle. Oui. Depuis longtemps, combien de temps vous faites ça? Ah, depuis mes enfants. Ah, on d'accord. Faire ça. Alors là, Lalita, pour nous faire un kouchaman pour 4 personnes environ. Oui. Nous vous trouvons là 3 mangues, 3 gros mangues. Oui. Hein, 3 gros mangues. Après là, qui va l'ingrédient? Explique bien qui va l'ingrédient qui est là. Ça 3 mangues là, nous avons moutarde. Ouais. Moutarde là, est-ce qu'il nous met sa quantité là? Non, pour 4 mangues, nous pas pour mettre sa quantité là. Nous capable servir des gros cuillères là-dedans. Des gros cuillères là-dedans. Des gros cuillères moutarde. Métis. Ça c'est qu'était là. Métis là, qui nous fait combien? Un petit guide nous mettez, nous pas pour mettre tout ça là parce qu'il est trop fort, métis ça. Mettez un petit guide. Un petit pain, c'est comment dire? Ouais, un 10-15 grains, comme ça, pas beaucoup. Voilà. Mettez un petit cuillère. Ça c'est safran. Ça c'est safran, mais des gros cuillères. Des gros cuillères. Ça c'est de l'huile. De l'huile. Vous avez de l'huile. Ouais. Et puis vous avez un piment sec. Piment sec, voilà. Des piments secs. Des piments secs. Ça dépend du monde. Ça dépend du monde. Voilà, ça dépend du monde. Et nous avons l'ail. 3 gousses d'ail. Oui, mais ça piment là, nous mettons pas là-haut. Ça va bien là. Une décoration, on va dire, nous pour. Mettons pas là-haut, mais normalement, tout ça maintenant, nous pour craser ensemble avec ces épices là. Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, nous pour craser ensemble, nous faisons la pâte. Oui. Non? D'accord. Comment on crase ça? Le rose carré, traditionnel. Traditionnel, rose carré. Comme on dit, aujourd'hui, c'est un kouchaman traditionnel qu'il a l'état pour préparer pour nous. Formelaine, c'est the smart choice. À cause ça, les gilets préférés, ban Mauricien. Formelaine, ça même nous gilet. Alors là, bien sûr, la table finit présente nous sur ban ingrédients. Là, nous parlons, bien sûr, plus nous manque, rap nous manque, trouvez-nous la rap là, mais nous rappelons grossièrement, hein, nous pas rappelons fin, hein, grossièrement. Non. Et montrez-vous facile hein, et très facile pour plus manque, comme ça, que vous montrez-vous, hein, la table vous montrez comment nous ça. Il est facile de trouver la poula sortie facile. Voilà, je vais trouver des pépines comme ça. Alors là, comment se trouver nos mangues finies râpées, bien grossièrement, comment nous dire. On s'aime les bons états pour rousser, tous les poumons, les mangues, ils ont un bon goût. Voilà, et l'important qu'ils nous râpent gros mangues, hein, nous prenons gros mangues, nous faisons ça. Si nous prenons petits mangues là qui arrivent. Mais les poudres gilets. Les poudres gilets. Les poudres gilets, mangues là, ils ne sont pas pour bon. Alors là, chers téléspectateurs, nous allons passer l'étape, nous allons craser nos bonnes épices, le rose carré. Le rose carré traditionnel. Traditionnel. Alors là, chers téléspectateurs, nous finissons arrive l'étape après qu'il nous finit crase, après qu'il a l'étape finit crase sur les épices, le rose, nous arrive l'étape pour le cuire, pour le préparer, nous kouchaman. Lalita nous met de l'huile avant, non? Nous finissons mettre de l'huile en sur pain de fait là, c'est-à-dire. Voilà. Pour avoir d'autres épices, nous craser le rose. Et nous avons ce moutarde, nous avons ce safran, nous avons ce métis. Safran là, nous finissons rappeler une persil. Très important une persil. Hein? Une persil. Oui. Et nous avons du monde mettre un petit peu de sel après une persil. Mais c'est là, là pour tirer ça de l'eau là. Ça de l'eau là. Ouais. Là nous finissons persil, là nous mettons là-dedans. Là nous mettons un petit peu de sel. Selon notre goût, nous avons mangé fade et nous avons mangé. Il a ce sel bien là-dedans. Alors là, Lalita nous trouve, nous coûte pareil là, comment dire. Oui, il finit pareil là. Il est bon là, pas qu'à laisser trop cuit. Là, qui nous fait une arrose, nous suivons. Une arrose, ça pime là, l'eau là. Voilà, chers téléspectateurs, la Delphine prépare nous ce kucha. Moi, je trouvé là, hein, ce kucha est fini pareil, mon père goûter là, moi ici. Hein, vous d'un coup qui ça donné là, mais on rappelle peut-être que kucha manque, fait l'électricité, même d'affaires. Hein. Oui, fricité, papa, il a du monde faire. Je souviens toujours, hein. Moi, je suis pas du top. Qui vous dit Ryan? Mais bon? Mais bon. Papa, moi, je dis là, le tout manger, il y a les kucha. Un petit lentille, un petit dureux, un petit dingue. Mais maintenant, tu as une carimassa là aussi, mon super bon, vous êtes super bon.
Souris, mon envie, goûte ça la même. Bon, pas bon, Ryan. Bon, bien bon. Bien, bien bon. Et, on gagne ça, tu. Piment là-dedans, tu laisses ça épicer, ça mouton là. Top. Merci beaucoup, Laïta. Merci, Ryan. Merci pour sa recette là. Et si vous êtes à table, je vous souhaite bon appétit. Pas oublier, si vous avez envie que nous vienne côté, envoyez-nous un message sur le WhatsApp de Top FM 5-255-0606. 5-255-0606. À la prochaine pour une autre recette sur Top TV avec notre partenaire Formlaine. Madame Sheila, ou content faire man smart choice. À cause ça, ou aussi au service Formlaine. Formlaine, elle a tout ce qui ont besoin d'un bon dîner. Les faut bien, les pas fait boule-boule et les plis crémeux. Et surtout, ou bien plis beaucoup tasse dîner avec Formlaine. Formlaine, the smart choice.